peuvent nous prendre de partout. Léo, tu vas te mettre dans la tour là-bas à droite, tu vois. Je vais faire mieux. Je vais me mettre dans la tour. Ouais, je vois, ouais. Voilà, tu vas te mettre dans la tour là-bas. Tu te couches, tu te mets pas en visu. Je vais voir si des portes sont ouvertes déjà. Aucune porte ouverte. Bien sûr. On peut fermer les écoutilles, mais bon, si elles sont toujours ouvertes, ça fait peut-être flag de les fermer. Ouais, laisse-les ouvertes. Ouais, c'est ce que je me disais aussi. Bon bah je suis en place. Ok, tu peux descendre Jack. On pourrait être sûr, attends, je vais pas mettre les frites ici. J'entends un hélico. Un hélico, mais je sais pas où il est. Jack, je vais te montrer comment on passe en dessous. Tu vas te coucher devant la grande porte là. Tu vas appuyer sur la porte. Oh putain, bah c'est ouvert. C'est lui ce fils de pute là qui m'a tué ce matin là. T'as voulu me faire à la MacGyver en fait. Ouais, en fait on a une technique mais bon ça s'est ouvert. Ouais, d'habitude la porte si tu veux elle s'ouvrait de quelques millimètres, elle se refermait, elle s'ouvrait, elle se refermait comme ça. Puis du coup fallait passer en dessous en roulade. Toutes les portes s'ouvrent. Vas-y, reste à l'intérieur, j'ai rangé les frites. T'as vu là celui qui s'est déconnecté là, VVV Lucky Stravinchiki. C'est lui qui m'a buté comme un baltring ce matin. Ouais bah moi je suis allé discuter avec Joker par rapport à ce mec là. C'est vrai ? Le gars il a sorti un ghosto tout à l'heure au quartier rebelle. Je sais pas mais moi genre il m'a dit lève les mains en même temps qu'il m'a abattu. 5 minutes avant l'arrivée des flics. Combien ? 5 minutes. Okay. Il me semble entendre quelque chose au loin les gars. Non là j'entends. Ok Jack, ouais je vais te montrer, voilà tu te couches dans le coin et tu regardes la grande porte. Et tu te couches et tu regardes la grande porte là. C'est sur ta gauche celle-là là. Vous renseignez sur les positions des types et vous mettez des points en canal groupe hein. Ouais, pas de soucis. Léo, si t'as des types, ils vont essayer de sortir, ils vont essayer d'ouvrir la porte. Ok, 3 minutes 50. Quand tu dis avant l'arrivée, c'est avant qu'il soit prévenu. Alors, il y a 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 flics, le mec. Ça va être chaud pour le premier, hein. Ouais, ça va être chaud, ça va être chaud, ça va être chaud. Ah, c'est histoire de voir. Hein. Pareil, on les a pas sans sommation, quoi, en fait. Ouais, ouais. Ah, ouais, là, c'est sans sommation. Non, bah, en plus, il y a des flics qui sont sur des OP. J'attendais juste la permission, quoi. T'inquiète, là tu vois un mec qui a pas de losange, tu lui niques sa race. Ah bah c'est le but. Pas pour ça. Moi c'est clair, t'es pas de losange, tire à vue. Qu'on a bientôt passé 50% du temps. Léo, tu filmes ? Oui. La bombe. Si jamais il y a un flic qui fait une boulette, bah... Filme la bavure. Je vais voir aussi pour filmer. Non, Chris, filme pas au cas où. Okay. Pas que tu plantes. Ah, remarque, ouais, pas de prêcher de perdre la couverture de derrière. Bah, surtout que t'es efficace. Ok, on a passé 50% du temps.
Bobin. Les billes, ça se crache en hélico. Je sais pas si je psychote ou quoi, mais je peux vous dire que depuis tout à l'heure, j'ai l'impression d'entendre une sirène au loin. Non, c'est bon, c'est bon. En tout cas, il y a deux flics qui se sont tués en hélico, déjà. Et bim, et bim. Ça avait piloté à la John, et puis ça se crache comme des mystiques. Faut réussir. Non, je plaisante. Elle casse. Je t'ai cassé. Double casse. Ah, du nord-est d'Altis jusqu'au sud-ouest et tu casses. En plus ça passe par la banque les gars. T'es fou. T'es fou moi toi. Okay. Léo tu joues rien? Non pour le moment rien. Ok je bouge, je vais voir si on peut mettre des trucs dans les frites. Ok on peut mettre des lingots dans les frites. Après Jack ce qu'on fait le coffre il est pété. Faudra aller à l'intérieur, il y aura, tu fais molette et puis il y aura marqué récolter les lingots et tu prends le maximum de lingots que tu peux sur toi et tu transvases dans les frites. Comme quand tu farmes. Non, il faut y aller et puis... Ouais, quand faut y aller, il reste encore 49 secondes. Tu me dis et puis après il faut que je fonce aussi pour en prendre un max. Hélico. Bah du coup on te récupère, on fait une évac. Dan, on remplit, Dan, hélico. Ouais, où ça? Aucune idée, pour le moment c'est au-dessus... Il arrive de face à moi, il arrive de l'est. Ok c'est un orca. Regarde si c'est... Ok 26 secondes avant explosion. Quoi comme hélico, y a quoi, y a... c'est quoi comme hélico, rebelle? Je le vois pas là, enfin je le vois mais j'ai pas de visu dessus. Mais il est au-dessus de nous, hein. C'est les flics je pense, il est au-dessus de nous. Ouais c'est les flics. Sérieux les mecs? Il se pose vers moi. Il se pose où? Sur moi. Je sais pas s'ils m'ont repéré mais il se pose sur moi en tout cas. Aucun message. Ok on prend les lingots. Ouvrez le coffre, 154 lingots. Sur la frontière. Alors, et il se pose à la frontière. Léo, t'es là? Oui, toujours. Reviens sur nous vite. Ok, il y a 5 lingots à l'intérieur. 5, c'est tout? Non, il y en a 150. Ah. Regarde, décolle, il passe au-dessus. Là je peux pas en mettre plus dans le machin. Ok rentrez. Vas-y je rentre dans le camion. Il veut pas rentrer dedans. Non je suis dedans. C'est bon je vais te dénoncer. C'est bon, tu peux y aller. Il va se reposer. Hein. Chris. Tout ce qu'il y avait, c'est à place de laisser tout ça. Ouais, je vais plus en avoir que ça. Ouais, ouais, mais normal, après, c'est mais normal. Bon, 5, ça fait 500 000.
maison à droite là. Bon, faire vite, l'hélico il est pas loin. Il en reste qu'un dans le l'ifrit. Prenez vite fait. Et range l'ifrit. Prenez par la porte de devant. Ok, j'ai pris le dernier. C'est fait. C'est vide. Une bouteille de Red Bull, c'est fait. Qui est sur le coffre là? Ça y est, moi j'ai mis. Attention! John, l'hélico arrive. Ouais, je sais. On remonte dans les frites, on se casse. Allez, hey, oh! Ça c'est du bacage. Rapide, personne nous a vu en silence. L'hélico est derrière. L'hélico est venu à se poser derrière. Si je mets la porte, je te défonce à la gare. Mais tu sais que j'aurais presque pu la battre, le pilote. Non, t'aurais dit. Bah je me suis dit aussi, si je le loupe, je suis repéré direct. Ouais. Parce que franchement, il avait le pare-brise qui était à 3 mètres de moi. Puis à mon avis, bah, tu sais, quand tu lui as tiré dessus puis qu'il s'est barré, quoi. Mmh. Ben bah, là, à mon avis, il allait déposer des gars. Et comme tu lui as tiré dessus, il a changé de position. Ouais, il a été déposé des gars à la frontière. Ben bah, là, j'étais prêt à lui tirer dessus, mais je me suis dit, si je le loupe, je suis grillé. Le type, il est à hyper quand tu lui as ouvert la porte. Trop bien. Bon bah un petit braquage de banque, sympatoche. Ouais. Donc là on a récupéré combien? À peu près une vingtaine de lingots, ça fait du 2 millions et quelques. J'en ai eu 4 mois de lingots. Il y avait au moins du 10-15 millions dans la banque. Ça fait chier par contre, j'aurais bien aimé tout prendre putain. Ouais mais on est pas assez nombreux. Je sais pas qu'il y avait. On est pas assez nombreux. 10 millions quoi. Sur l'autre serveur d'habitude on venait à 2 HMTT cous. Bah tu fais 154 fois 100, bah y'a direct on posait 2 HMTT devant et puis ouais, ça fait 10 millions quoi. Bien joué Jack pour ta première. Ouais bah j'ai pas fait grand chose hein, j'ai juste récupéré 5 lingots, c'était pas ouais si mais c'est ça, ça veut dire que c'est bien fait en fait. Quand ouais, tu fais bien normalement t'as pas à faire grand chose. Lors du braquage des banques, t'as chacun qui a son rôle. Normalement, il y a des snipers, des chouves qui sont en place, des conducteurs d'HMT. Ouais, là, on était déjà pas assez pour couvrir tous les postes. Voilà. C'est pour ça que d'habitude, on met personne dans les petites tours à côté. C'est des mecs à l'intérieur et le reste, c'est les snipers dehors. De toute façon, là, on pouvait jouer que deux cartes. Hein. Soit on faisait sans couverture pour aller le plus vite, mais on prenait le risque qu'on nous tombe dessus d'une seconde à l'autre. Soit, comment dire, on faisait comme on a fait avec les couvertures, mais en allant moins vite, quoi. En gros, on a récupéré un peu moins, mais on a assuré le truc, quoi. C'est pas mal, quand même. C'est pour ça que je te disais, sur l'Altis, c'est beaucoup de la théorie. Parce que quand tout se passe bien, tu fais pas beaucoup de pratique. Mais quand ça se passe mal, c'est là que c'est pas pareil. Et le commandant qui s'est connecté, ça se trouve, il pense qu'on va revenir sur Zone. Mais bien sûr. On n'est pas fous non plus. Ouais, on va braquer une stas. On y frite et tout tranquille et bon. Archem pour lui quand même. Grave nous venons en quad en pick-up en aïon. On y frite, laisse tomber. Les decks, ils doivent rentrer à l'intérieur. Non mais histoire de les emmerder, tu sais, pendant qu'ils sont en train de fouiller la banque. Oh les gars, ils m'ont chopé un petit 80 000, 100 000 ouais, des fois. Il travaille un petit peu, c'est feignasse. Hein. Ils m'ont chopé un petit peu de bois. Hein. J'ai jamais vu un hélicoptère qui se pose comme ça juste derrière la banque, tu fais ça, mais chez nous c'est bon, il aurait dégommé l'hélico, ça m'a même pas fait. Surtout quand en plus t'as vu d'où il venait. Tu sais, ouais, je pense que l'Ifrit il nous a même pas calé en fait. Il y a de la gendarmerie de Sofia quoi.
Ouais, en tout cas, là, on a fait 2 millions. Hein. Tranquille. 2 millions ou 1 million et quelques, en tout cas. En plus, Léo qui a une perte de co au même moment. Ouais, que... putain. Ah, mais tu sais quoi, moi, je me suis dit, en effet, les gars, hein, je rentre dans la banque, retour Windows. Je remets le jeu, je fais 1 mètre, retour Windows. Je me dis, putain, les bâtards. Après, je remets juste derrière, perte de connexion. Je dis, putain. Ça a été le braquage de banque le plus rapide de toute ma vie. Chrono, on est 1 minute 30. Ouais, parce qu'on était obligé de faire les filous. Hein. On était obligé de faire les filous pour pas se faire péter le fion aussi, faut dire. Ils étaient 9 flics, on est 3 pélos. Donc pour 3 minutes, ça va. Bah, tu sais, ils sont 9 flics là, on est 3 pélos. Tu peux pas trop jouer non plus le malin. On va les flics alors. Tu veux pas mettre de l'essence à la station de la gendarmerie, s'il te plaît? Je crois qu'il a la station. C'est un peu pour ça que je voulais que tu mettes de l'essence là. Ok. Vas-y, ça va. Eh, les mains douleurs, toi, devant la station, là, le nettoyage des vitres. Oh, c'est braque à chance, série. C'est qui braque? Vas-y, Léo braque, moi je... Léo, il braque, on se met en plus dans la cabane, là, à la fenêtre. Braquage en cours. Allez, on va les faire bosser un peu ces flics, là. Alors, le grand hôtel, là, c'est l'hôtel commissariat. Ok, attends, je vais le repeindre un peu. Eh,